Comment ça s'est passé? On faisait déjà un groupe avec mon frère, donc au sax, dans un groupe qui s'appelait Vox Peplum Delirium, qui est un groupe un peu de ska, rock, funk. Il y avait beaucoup de mélanges, un peu tous les styles. Et le groupe s'est terminé, je ne sais plus quand. Et donc, bref, nous, voilà, 2004. Et du coup, ça faisait un moment avec Guillaume, on parlait de monter un groupe de swing, de rock'n'roll. On ne savait pas trop encore ce qu'on voulait faire. On avait déjà fait des essais, pardon, avec d'autres musiciens, puis ça ne nous correspondait pas vraiment. Et donc du coup, moi, j'écrivais déjà des morceaux que t'as arrangés pour une formation comme on a maintenant. Puis je me suis dit, bah tiens, allez, hop, c'est parti. On allait récupérer un peu des musiciens, soit qu'on connaissait de nom ou d'autres personnes qu'on allait vraiment chercher, ou d'autres personnes qui sont venues aussi avec nous, comme ça. En termes de style, je pense que c'est un petit peu déjà les influences de chacun. Essentiellement les influences de Ben qui composent majoritairement, on va dire, les titres, même si après on arrange un petit peu tous ensemble. Mais je pense que c'est aussi ça qui est un petit peu intéressant, c'est l'éclectisme de chacun pour apporter sa couleur, je dirais, au groupe, tout en gardant un esprit de swing and roll qui est un petit peu la ligne directrice musicale. L'ambition, effectivement, c'est le projet définitif, c'est avoir un tourbus, ouais. Ça, c'est la classe. Non, je pense que l'ambition, je pense qu'elle est, elle est commune, c'est d'aller de pousser le groupe le plus loin possible. Je pense que depuis déjà 2-3 ans, bon, je parle peut-être un petit peu du passé, parce que moi je suis arrivé récemment au sein du groupe, mais de ce que j'en vois, effectivement, il y a une évolution depuis 2-3 ans où vraiment on commence à passer certaines portes et aller un petit peu au-delà des paliers qu'on faisait auparavant. Ce qui nous permet aussi de rencontrer, on va dire, des gens un petit peu plus importants, un peu plus implantés dans le milieu musical, et qui nous donnent des opportunités, je dirais, comme ce soir, de venir jouer au Festival Champs Libres. Je pense que c'est un plaisir pour l'instant. S'il y a des opportunités qui se proposent à nous, ouais, je pense qu'on y réfléchira. On n'aura pas fait tout ce travail-là pour dire non si on vient gentiment nous faire signer un contrat. On a changé de musicien là dans les deux années. Guinou est arrivé il y a 2 ans et Kevin est arrivé cette année. C'est vrai que du coup, à chaque fois, ça amène un peu d'air frais parce que ces deux gars qui étaient leaders dans leur groupe, du coup, c'est super intéressant. On a des nouvelles idées de musique et de tournées et de concerts et de façon de travailler. Donc non, je pense qu'il faut changer de zikos de temps en temps, mais en bien. Là, on a eu de la chance, on est tombé sur les bons lots, on va dire. Vous avez de la chance, hein. Et mais après. Donc en fait, la prochaine interview, il n'y aura plus que nous deux, puis on les aura remplacés. Voilà, ils seront plus là. C'est comme ça que ça marche. Bah, on a déjà enregistré un premier album qui s'appelle Dirty Freak Show. Donc voilà, donc il n'est pas encore commercialisé, mais on le vend à la fin de chaque concert et autres. Donc voilà, c'est un album 13 titres. Autoproduit. Alors en fait, l'album il a été, il y a un mélange d'anciens titres qu'on faisait, qu'on a remis un petit peu au goût du jour, et des nouveaux aussi qu'on traîne comme depuis 1 ou 2 ans, mais qu'on a bien testé en concert, qu'on a eu le temps de porter à maturité, et du coup le temps d'avoir une bonne idée de ce qu'on voulait sur l'album, et on a enregistré ça sur quasiment une année en fait. Ce qui est important en fait pour nous dans notre son, c'est aussi que ça sonne toujours un peu live. Même sur album, en fait, faut pouvoir s'imaginer en fait le groupe en concert, parce que c'est vraiment là en fait que ça va devenir intéressant. Donc, on essaie toujours d'avoir cette petite touche live avec un son qui est pas forcément le plus propre possible, mais qui laisse un petit peu de place aussi à la vie de la musique. C'est le côté dirty, voilà, des Dirty Swingers. Alors la tournée, pour l'instant, c'est vu qu'on rentre en période d'hiver. Nous, c'est plutôt l'été où où ça a plutôt bien tourné. On a fait donc un petit peu avant, on avait fait les Jeunes Charrues du Pays Nantais, donc à Blain, on a gagné. Donc du coup, on a fait les Vieilles Charrues et de là, c'est fait pas mal de choses. On a fait l'Orient, on avait fait la Nuit de l'Erde à Nord-sur-Erde avec Patrice, Zazie, Jean-Louis Aubert, Bertignac. Je pense que pour tout le monde, c'est ça. Nous, on est vraiment contents quand on arrive dans des concerts, qu'on voit des conditions comme ça. C'est vrai que c'est toujours hyper, hyper intéressant pour nous parce que voilà, jouer avec du très bon matériel dans de bonnes salles, de gros festivals comme les Vieilles Charrues cet été, c'est, ouais, c'est des super conditions et ça fait vraiment plaisir, quoi. Pardon, l'ambition, je parle beaucoup, mais l'ambition, ça serait plein de dates et plein de bonnes scènes. Du coup, vraiment, mais voilà, comme je disais, les CAFCON, c'est tout, on adore ça et si on doit en refaire, on en fait d'ailleurs toujours. Sans aucun problème là-dessus, on était allé jouer en Sardaigne chez Igor, et du coup c'était plein de petits cafcons, mais le plaisir reste
le même quoi. Alors, on peut trouver sur internet, du coup il y en a une page MySpace, du coup les réseaux sociaux, les réseaux sociaux comme Facebook et d'autres. On essaie d'être présent un peu partout, dans toutes les pages. Sous MySpace, on peut trouver le lien avec l'adresse pour commander le CD. Du coup, on fait ça par courrier postal. Et après, sinon, oui, on peut nous contacter, on peut se retrouver après le concert, c'est l'idéal. Pour poursuivre un petit peu la partie distribution, aujourd'hui, distribuer un album, c'est assez difficile parce que c'est le disque est en perte de vitesse. Mais on a sorti, je dirais, pour l'instant, une poignée d'exemplaires de l'album dans un cadre de démarche de tourneurs et de distributeurs. Voilà, pour l'instant, je dirais qu'on a sorti un album, mais qui nous sert, nous, on va dire, essentiellement à titre promotionnel. C'est-à-dire qu'on est en train, effectivement, on est en négociation avec certains tourneurs ou distributeurs pour effectivement essayer de contribuer au développement du groupe et encore une fois d'aller un petit peu plus loin par rapport au projet initial, quoi.